Dragon's Dogma 2 en 90 secondes. Les classes et les pions. Les insurgés peuvent choisir entre 4 classes au début du jeu. Les guerriers manient l'épée et peuvent protéger des alliés avec leurs boucliers. Les flèches des archers peuvent abattre des ennemis à distance avec une précision mortelle. Les voleurs profitent de leur agilité pour écraser quiconque dans une rafale de coups. Les mages manient divers sorts pour attaquer des ennemis et soutenir leurs alliés. À mesure que vous poursuivez votre voyage, de nouvelles classes apparaîtront. Champion. Sorcier. Archer-mage. Chevalier-mage. Illusionniste. Chaque classe a une approche très différente du combat, vous permettant de trouver le style qui vous convient le mieux. Cependant, n'oubliez pas que vous ne vous battrez pas seul. Les pions seront vos fidèles compagnons tout au long de l'aventure. Vous pourrez non seulement créer votre propre pion principal, mais vous pourrez également engager jusqu'à 2 autres pions créés par d'autres joueurs. Vous pouvez donc former un groupe de 4, incluant l'insurgé. En voyageant avec l'insurgé, les pions sont influencés par leurs expériences. Le pion principal que vous créez peut également être engagé par d'autres insurgés dans d'autres mondes et voyager à leur côté. Les connaissances et objets que votre pion acquérera au cours de ses voyages lui permettra de mieux vous aider dans votre propre aventure. Voyager aux côtés de pions enrichira votre expérience, presque comme si vous étiez accompagné par d'autres joueurs. Un monde fantastique, dense à explorer, vous attend dans Dragon's Dogma 2. Partez pour une grande aventure avec vos pions à vos côtés.